Te voilà, je t'ai cherché partout. Un tremblement de terre? Nous ne sommes pas près d'une ligne de feu. Hey! Qui a laissé cette espèce de poussière brillante ici par terre? Je crois que je préférerais descendre maintenant. Désolé, c'est un petit peu coincé. Applejack, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tout va bien pour vous, les filles? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai même pas tiré fort sur la corde. J'ai eu l'impression qu'elle était devenue légère comme une plume tout à coup. J'ai eu une peur épouvantable. Mais c'est pas de ma faute. Laisse-moi t'aider à enlever ton baudrier. Non, mais... Mais enfin, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là là, je suis vraiment désolée. Enfin, je crois. Est-ce que c'est moi qui ai fait ce que nous avons vu? Non, non, je ne crois pas que ce soit de ta faute. Je vais chercher une serviette pour Applejack. Moi aussi. Tu n'es pas la seule à avoir de nouveaux pouvoirs magiques. C'est formidable. Non, au contraire. Rarity et Applejack auraient pu être gravement blessés. Pourquoi tout cela nous arrive? Je ne veux... Coucou les filles. Je peux faire quelque chose pour vous? Applejack vient de tomber dans le lac. Oh non! Il lui faut des serviettes bien chaudes, des vêtements secs et un bon chocolat chaud. Je suis sur le coup. Le docteur Shine! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Nous étions en train de décorer des gâteaux et... C'était genre encore des vermicelles. Et pour toi aussi, encore des vermicelles. Je vois les trucs habituels de Pinkie Pie. Je lançais quelques vermicelles à Fluttershy et d'un seul coup, ils sont devenus tout roses et brillants. Et ils ont explosé. Exactement comme ça, mais il y a quelques minutes. D'accord. Et si on arrêtait un peu de toucher ces machins, tu veux bien? Oh là là, il faut absolument nettoyer tout ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci, monsieur l'oiseau. Mais bien sûr, je peux te donner quelque chose à manger. Oh! Mais tu viens de parler? Mais je ne parle pas le cuicui. Je ne sais pas si tu es le seul oiseau que je comprends. Oh non, s'il te plaît, n'appelle pas tes amis. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Attends, c'est aux oiseaux que tu parles? Oui. Tu leur as dit ce qui s'était passé? C'est du délire. J'ai hissé Rarity sans effort jusqu'en haut du mur d'escalade, comme si j'étais 10 fois plus forte que d'habitude. Et moi, j'ai fait apparaître comme un énorme diamant. C'était magique. Un diamant absolument fascinant. La taille était parfaite et la transparence... Rarity. Oh, désolée. Il a repoussé Applejack et ensuite, il a disparu. Tiens, en parlant de disparition, est-ce que quelqu'un a vu Rainbow Dash? Wow! Comment as-tu fait ça? J'en sais rien. Je me suis mise à courir pour aller chercher un autre baudrier et en un instant, je me suis presque retrouvée en ville. Mais si tu es devenue soudain super rapide, pourquoi as-tu mis autant de temps? Parce qu'une fois au loin, j'ai perdu cette vitesse et je ne l'ai retrouvée qu'en rentrant au camp. Quand nous sommes dans ce temps, nous avons de nouveaux pouvoirs magiques! Nous n'avons pas toutes de nouveaux pouvoirs magiques. Moi, je n'en ai pas, mais Twilight n'en a pas non plus. C'est raté pour ma théorie selon laquelle quitter le lycée de Canterlot signifie laisser la magie derrière nous. Quelque chose au camp a dû déclencher ça. Gaia Everfree. Applejack, je t'ai cherché partout. Tiens, je t'ai apporté des serviettes et des vêtements secs. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ce que nous essayons de comprendre. Ce n'est pas grave, ne vous faites pas de soucis, je suis sur le coup. Gloriosa, mon sac de couchage est tombé dans le lac. Je vais t'en chercher un autre. Et moi, je n'ai plus la moindre flèche. Aucun problème. Des nouvelles flèches arrivent tout de suite. Ah, te voilà. Fil de fer est de retour. Tu veux que je m'occupe de lui? Absolument pas. Je suis sur le coup. Fluttershy, arrête de crier, s'il te plaît. Mais je n'ai pas crié. Pour une fois. Personne n'a crié. Hein?